Habitat Humanisme se veut bâtisseur de liens dans la société et donc d'une part bâtisseur parce que nous travaillons, notre outil de travail ce sont des logements dans lesquels nous permettons à des personnes de trouver un toit. Et puis ensuite de liens parce que les personnes que nous logeons sont des personnes qui d'une façon ou d'une autre sont porteuses de fragilité. Notre ambition est de leur permettre de tirer parti de ces fragilités pour entrer en contact avec d'autres qui sont différents d'eux, avec qui la relation peut être porteuse de synergie et de collaboration. Ce sont des personnes comme celles qui vont habiter cette maison Saint-Charles, qui sont des personnes de nature variée, puisqu'on va avoir à la fois des personnes âgées, donc qui seront en situation de fragilité, de solitude, de difficultés même physiques. Nous allons avoir aussi des familles monoparentales, donc des mamans avec des enfants, souvent en grande situation de détresse, avec beaucoup de difficultés pour s'insérer. Et puis on va avoir des jeunes qui seront des étudiants ou des jeunes professionnels, dont pour eux la principale difficulté c'est de se loger tout simplement. Notre challenge à nous, associations qui allons être responsables de la vie dans cette maison, ça va être de trouver des façons de faire se rencontrer tous ces publics différents qui sont en fait pas faits pour se rencontrer dans la vie courante. Les bâtiments tels qu'ils vont nous être livrés ont été conçus pour rendre possible les rencontres. Ça c'est la condition nécessaire. Après, elle n'est pas suffisante. Il va être nécessaire pour nous de créer à la fois de l'accompagnement parfois individuel, puisque les personnes qui seront en plus grande fragilité ont besoin d'accompagnement individuel. Et puis, on va avoir un accompagnement collectif qui va nous servir aussi de trait d'union avec le quartier. On va former un groupe de bénévoles qui va avoir pour mission d'être le garant d'une vie collective dans la maison. Les associations comme les nôtres ont aussi pour vocation d'expérimenter des choses. Une de nos raisons d'être, c'est d'innover, c'est de faire des choses nouvelles. Et ça, c'est une chose innovante. On a maintenant une certaine expérience de ça, puisqu'on le fait depuis plusieurs années, et on va essayer donc de continuer à le faire à Saint-Charles.